18 à partir du verset 23. Je te dirai ça. À partir du verset 23. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 18 à partir du verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Et mû de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à ses pieds, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Le verset 30, « Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. » Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Amen. 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 C'est une histoire pleine d'enseignements. Et beaucoup sont comme ça. Alléluia. Amen. Il a supplié, il devait son maître. Il a supplié. Maître, aie patience, aie patience. Alléluia. Amen. Le maître a eu compassion de lui. Mais lui, à son tour, n'a pas eu compassion de celui qui lui devait aussi. Quelle méchanceté. Quelle cruauté. Au point même de le mettre en prison. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas ressembler à cet homme. Amen. Amen, hein? Amen. Nous ne devons pas lui ressembler. Autant Jésus est patient envers toi, autant tu dois être patient envers ton frère, envers ta soeur. Amen. Autant nous devons être patients les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Souvent nous faisons ce genre d'attitude. Dieu nous pardonne, mais nous ne pouvons pas pardonner. Dieu est patient, Jésus est patient. Pourtant, tu rentres en toi-même là, tout ce que tu fais et que le Seigneur ne fait que te reprocher. Mais tu continues. Après, tu viens dans sa présence. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que Jésus te frappe? Non. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il exerce ta patience. Alléluia. Amen. C'est la même attitude que nous devons avoir. Garde l'image, cette image. Garde-la dans ton cœur ce matin. Que nous ne devons pas être méchants envers les autres. Amen. Nous ne devons pas avoir une attitude méchante. Ce qu'on a été méchant. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui enseigne cette parabole. C'est Jésus qui enseigne cette histoire. Alléluia. Oh. Amen. Donc, Jésus, notre Seigneur, est très patient envers nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il est patient. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Jésus n'est pas patient pour te pousser à continuer de pécher. Alléluia. Oh. Amen. Donc n'abuse pas de la patience aussi du Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu abuses de la patience du Seigneur, c'est ta vie qui sera bloquée. C'est ta vie, oh, c'est pas la vie du Seigneur. C'est pas la vie de ton frère, c'est pas la vie de ta soeur. C'est ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
13. Carmen. 2 Corinthiens, le verset 6. 2 Corinthiens 6, le verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards au commandant, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Lis fort. Mais nous nous rendons à tous égards au commandant. Recommandable. Comme serviteurs de Dieu. Oui. Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous nous rendons recommandables par beaucoup de patience. Amen. Donc l'apôtre Paul était beaucoup patient. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons la parole, les actes et même les épîtres, où nous voyons combien de fois l'apôtre Paul était poursuivi par ses frères les juifs. Alléluia. Amen. Mais il était patient. Il était patient. Il dit même, je prie pour eux, dans Romains. Alléluia. Afin qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. L'apôtre Paul était patient. Lui-même, il n'a pas seulement parlé de la patience à la bouche. Alléluia. Amen. Lis aussi, j'ai dit aussi, 2 Corinthiens 12, verset 13. 2 Corinthiens 12, verset 13 dit ceci. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Amen. Amen. Je me suis trompée. Vas-y, c'est bon, on passe. Alléluia. Oh. Amen. Bien-aimé, la patience est une démonstration de l'amour. Amen. 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 La patience est une démonstration de l'amour, bien-aimé. Bien-aimé, dans ma vie, le Seigneur m'a enseigné la patience. La patience de celui qui est encore faible. Alléluia. Amen. Afin qu'il parvienne à l'état où le Seigneur veut qu'il soit. Méfiez-vous des gens qui sont impatients. Alléluia. Amen. Des gens qui sont impatients. Ils veulent qu'on tic tic tac. La personne prie maintenant comme toi. La personne chante maintenant comme toi. Alléluia. Amen. Dans vos groupes. Amen. Amen. Dans vos groupes. Les groupes là. Pas de domination. Amen. L'amour. Par la patience. Alléluia. Amen. Par la patience. La patience fera en sorte que tu ne vas pas juger. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas juger. Tu vas attendre. Tu vas attendre. Tu sauras attendre que ton frère arrive aussi à ton niveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu vas attendre que ton frère ou ta soeur laisse le péché. Yes. Alléluia. Amen. Et quand on attend que tu laisses le péché là, il y a aussi des causes qu'on ne pourra pas te confier à l'église. On faut et on doit dire amen. 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 Alléluia. Amen. Parce qu'on ne veut pas t'exposer. Amen. Amen. Donc on est patient. On est patient. Quand on est patient là, bien aimé, c'est pas qu'on t'encourage. Comme Paul dit dans le livre des Romains que les hommes comprennent mal la patience de Dieu. Mais la patience de Dieu doit pousser l'homme à la repentance. Alléluia. Amen. La patience de Dieu. Dieu est patient. Il est en haut là-bas. Jésus est patient dans nos vies. Il est en haut. Ça nous pousse à la repentance. Et la repentance, c'est pas pleurer. Non. La repentance, c'est le changement radical. Yes. Changement radical. Alléluia. Amen. Donc la patience, bien aimé, c'est une démonstration de l'amour. Peut-être que tu es sorcier. Et Dieu seul sait que tu es sorcier. Que tu m'envoies même les missiles, mais ça ne m'atteint pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Et vous voyez pourquoi? Oui. Vous savez pas qu'il y a des gens qui cachent la sorcellerie pendant depuis. Et puis Dieu aussi est là, patient. Dieu ne nous mange même pas. Il est patient, il est patient. Quand tu es patient, si tu es sorcier, et qu'on n'a pas encore vu, à vous. Oh. Alléluia. Amen.
Amen. Ce sont des faits qu'on voit aujourd'hui. Vous croyez pourquoi? Alléluia. Amen. Donc il faut parler cru. Amen. Amen. Donc ne crois pas que parce qu'on ne te voit pas, mais Dieu te voit. Amen. Et quand Dieu voudra le montrer, il le montrera. Amen. Alléluia. Amen. Et même si Dieu me montre, si Dieu nous montre, on ne va pas t'appeler là, mais on va bien te regarder. Amen. Amen. Et Dieu va nous donner l'attitude à avoir avec toi. Alléluia. Amen. Et on ne dit pas qu'on ne t'aime pas, on t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Oh. Amen. Même si tu ne dis pas amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la parole de Dieu nous fait du bien. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Oui, bien-aimé. La patience est une démonstration de l'amour. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es paresseux et qu'on est tellement patient. Nous sommes patients, on est patients pour que tu changes. Parce que la paresse spirituelle, là, ça ne va pas t'amener quelque part. Alléluia. Amen. Nous continuons. Nous sommes toujours à 1 Corinthiens 13, au verset 4. Elle est pleine de bonté. L'amour est plein de bonté. Alléluia. Amen. L'amour est plein de bonté, bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de serviable. C'est quelqu'un qui aime rendre service. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une démonstration de l'amour. Alléluia. Amen. Comme le diable que nous avons ici. Alléluia. Oh. Amen. Plein de bonté, il aime rendre service. Amen. Quoi, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le diable. Si. Alléluia. Oh. Je n'ai pas besoin de le citer. Yes. Alléluia. Amen. Ça se voit par ses œuvres. Alléluia. Amen. Et ne sois pas jaloux. Copie son exemple. Alléluia. Amen. Moi, je ne vais pas vous appeler. Je ne suis pas le genre qui appelle.
C'est pas machin. C'est... Amen. Hein? Moi, je veux que ça vienne du cœur. Moi-même, ça vient. C'est pas que je t'appelle là. Tu t'appelles pourquoi? Je veux t'appeler pourquoi? Alléluia. Amen. Je peux aussi t'appeler, mais ça ne vient pas. Amen. Hein? Amen. Donc, soyez remplis de bonté. J'ai besoin de vos services. On a besoin de vos services. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, si je n'ai pas, je vous dirai que non, il n'y a pas. Alléluia. Amen. Gloire. Amen. 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 C'est la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. C'est la vie. Alléluia. Bien-aimé, Caïn a tourné les yeux sur l'offrande de son frère.
Genèse 4, 7, lis-nous ça. Genèse 4, verset 5. À partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Amen. Vous allez lire toute l'histoire à la maison. Alléluia. Amen. Ça, c'est maintenant Dieu qui parle à Caïn. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel? C'est l'envie. Alléluia. Amen. Il a envié. Le fait que le Dieu, le Créateur, le Père, apprécie l'offrande. Alléluia. La Bible nous dit que la fumée de l'offrande d'Abel montait droit. Et sa fumée, allez, pala. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. Mais il devait rentrer en lui-même. Alléluia. Au lieu de nourrir l'envie et de jusqu'à tuer. Bien-aimés, vous voyez jusqu'où l'envie peut amener les gens. À tuer par ton envie là. Tu es maintenant en train de tuer ton frère dans ton cœur. Alléluia. Caïn a tué de manière physique, mais toi tu peux tuer dans le cœur là-bas. Tu parles. Et puis tu vas trouver aussi quelqu'un qui est aussi bourré d'envie comme toi. Et puis tu assassines. Vous assassinez, vous tuez, vous dites tout. Alléluia. Amen. L'envie, non, bien aimé. Bien-aimés, c'était la même chose. Nous allons maintenant, lis-nous Matthieu 21. Matthieu 21, le verset 15. Matthieu 21. Le verset 15. Le verset 15, je lis la parole de Dieu. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Amen. Amen. Là, ce sont maintenant les sacrificateurs, vous voyez. Dans l'église, les sacrificateurs, donc les pasteurs, furent indignés de ce que Jésus, de ce que Dieu faisait avec les autres. Alléluia. Donc les sacrificateurs étaient indignés de ce que Jésus faisait, de la gloire que Jésus avait, du succès que Jésus avait. Les enfants étaient en train de... Les gens étaient émerveillés par les miracles que Jésus faisait. Alléluia. Les enfants criaient Hosanna, Hosanna, béni soit le Seigneur Jésus. La Bible dit, ils étaient, les sacrificateurs étaient indignés. Pourquoi? L'envie avait rempli leur cœur. Alléluia. Parce qu'on ne les regardait plus. On ne les acclamait plus. C'était maintenant Jésus qui était le centre. Alléluia. Amen. Donc, là. Ça se passait trop mal dans le cœur des sacrificateurs. Lis-nous aussi Jean. Jean 12, le verset 19. Jean 12, le verset 19. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres. Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Est-ce que le peuple a entendu? Vous voyez que vous ne gagnez rien. Donc eux, ils ne gagnaient plus rien, ils n'avaient plus la gloire. On ne reconnaissait plus ce qu'ils faisaient. Et ils disent, le monde est allé après lui. Parce que tout le monde, à cette époque-là, suivait maintenant Jésus. Tout le monde suivait maintenant Jésus. Jésus traînait toute la foule. Alléluia. Amen. Israël. Ah, et ça se passait mal dans leur cœur. Alléluia. Au point où, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de tuer Jésus. Alléluia. Amen. Même lorsque Jésus a fait le miracle de Lazare. Non, là c'était vraiment la fatale. Ils ont dit, ils ont comploté, ils vont même tuer également Lazare. Quoi, vous ne lisez pas la Bible? Si. Alléluia. Amen. Ils ont dit qu'ils vont maintenant tuer Jésus. Lazare. Le pauvre Lazare que Jésus a ressuscité des morts, puisque tout le monde allait voir Lazare, allait voir ce grand miracle, allait contempler ce grand miracle. Ils ont dit non, pour que ça
s'arrête là. On va chercher aussi à tuer Lazare. Ouais. Non. Bien aimé, l'envie, c'est quelque chose de très... C'est grave, c'est dangereux. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Donc, bien aimé, les pharisiens étaient envieux du succès de Jésus. Leur envie les a aveuglés. Et ils ne pouvaient plus reconnaître que Jésus était venu pour les sauver. Bien aimé, l'envie aveugle. L'envie rend aveugle. L'envie va t'aveugler. Tu ne verras pas ce que Dieu fait avec toi. Tu ne verras pas que toi aussi tu es béni. Tu ne verras que la bénédiction de l'autre. Alléluia. Amen. Tu ne verras que la bénédiction de l'autre. Tu ne verras pas ta bénédiction. En ce moment, tu deviens quoi? Aveugle. Sors de l'envie. L'amour n'est point envieux. Alléluia. Amen. L'amour n'est point envieux. Et c'était ça, bien-aimé, le problème des pharisiens. Ils n'ont plus reconnu que Jésus. Ils étaient concentrés. Ils étaient... Oh, tout le monde va maintenant vers lui. Oh. Et surtout quand il prêchait encore là. Alléluia. Amen. Le peuple aussi avec ses commentaires. Oh, personne n'a jamais prêché comme cet homme. Alléluia. Amen. Personne n'a jamais prêché comme lui. Il prêche comme ayant autorité. Ah, là, là, là. Non. Alléluia. Amen. Même si ton frère prêche mieux que toi, il n'y a pas de raison de l'envier. Amen. Hey, tout le monde devait dire l'amen. Amen. Même si ton frère prêche mieux que toi, même si ta soeur, je ne sais pas, balayer le temple mieux que toi, ou je ne sais pas. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de raison de l'envier. Amen. C'est ça même. Alléluia. Amen. C'est son don. Toi, approche-toi et puis apprends aussi. Alléluia. Amen. C'est les choses qu'on apprend des autres. Alléluia. Amen. Ne reste pas dans ton coin là-bas, en train de le critiquer, de le tuer. Ça, c'est quoi? Après tu dis, ah non, il n'a même pas bien travaillé. Il n'a même pas bien fait. C'est l'envie qui te fait parler comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'envie non seulement nous aveugle, amène l'aveuglement, mais l'envie peut nous éloigner de la volonté de Dieu. Nous n'allons plus rechercher la volonté de Dieu. C'était le cas des pharisiens. Ils ne pouvaient plus rechercher que, ah, mais celui-là, on poursuit jour et nuit là. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui l'a envoyé? Alléluia. Amen. Non. À cause de tout ce qui était de mauvais qui était dans leur cœur, ils ne pouvaient plus rechercher. Ils sont passés à côté de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons. On est où? L'amour ne se vante point. Alléluia. L'amour ne se vante point. Même si tu fais bien. Alléluia. Tu ne dois pas chercher la gloire, attirer la gloire sur toi. À moi, en tout cas, quand je fais, quand je chante, quand je balaie, quand moi j'évangélise, hein, alléluia, comme quelqu'un avait dit, moi je prêche même mieux qu'elle. Oh. Mais ce sont des choses qui se passent dans l'église. Alléluia. Oh. Amen. Ou bien quand tu vois l'autre prêcher là, dans ton cœur là, maintenant tu dis, non, ça c'est quoi? C'est bien ça. Moi je vais élever le niveau. Quel niveau tu vas élever? Tu es venu pour élever les niveaux. Yes. Ou bien tu es venu pour libérer ce que Dieu t'a mis à cœur. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas impressionné. Hein, que tu craches le feu, que tu ressuscites les morts, que tu fasses quoi. Quand on regarde YouTube là, moi, je suis pas impressionné. Alléluia. Amen. Chacun a sa part. Amen. Chacun a son tour. Alléluia. Amen. Je suis pas impressionné. Tu peux passer là. Nous sommes dans plusieurs oratifs ou bien plusieurs orateurs. Toi, tu craches ton feu. Moi aussi, je viendrai cracher mon silence. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Amen.
Amen. Je viens de cracher mon silence. Il y en a qui aiment le silence. Quand bien même moi je crache le feu. Alléluia. Dieu m'utilise dans le feu. Amen. Mais est-ce que je sais même quand ça monte? Alléluia! Oui, bien-aimé, l'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Et voilà pourquoi vous remarquez que à Ephata, là, quelles que soient les choses que Dieu peut faire, on témoigne. C'est maintenant même qu'on témoigne maintenant, machin, et tout, et tout, et tout. On témoigne difficile, hein? Alléluia! Même ce que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Il pourvoit, oh, il donne, oh, machin, machin. Oh. Donc, vous ne voyez pas qu'on vient étaler ça ici, là, machin. Jamais. Alléluia. Amen. Les témoignages parfois qu'on vous fait, Dieu nous a même déjà fait ça depuis, mais on est là. On bénit seulement le Seigneur. On bénit le Seigneur. Alléluia. Amen. Et on lui remet toute la gloire. Amen. L'amour de ce ventre point. En moi, ah, ça, maintenant tu l'as raconté sur tous les points. Vraiment, Dieu a fait vraiment de grandes choses dans ma vie. Oh, Dieu m'a donné ceci. Non, tu étales maintenant. Non, bien-aimé. Non. On n'a pas besoin de ça. Alléluia.